Take a look behind yourself. See the puzzle which make up your life. Many threads of coincidence, just like waves in the end of your mind. And you're gone away, leaving sheets of your poems in rain. You had never felt so afraid. Le team Passion Fruit et Mer a choisi les Pyrénées Atlantiques et plus particulièrement le Pays des Gaves pour son ouverture en 2017. Nos premiers coups de ligne sur le Gave de l'Euron nous donnent un réel espoir. Dès mon deuxième lancé, j'accroche une belle de 30 cm qui vient se décrocher juste dans mes pieds. Pierre fera pratiquement la même chose. Une belle 40 et plus suivra son leurre jusqu'à la rive. On se dit que l'ouverture et cette matinée va être belle, mais il n'en fut rien, car à part quelques suivis, nous n'aurons rien de plus. Nous restons sur notre faim, mais loin de nous décourager, nous avons passé un bon moment à retrouver notre rivière. Bon, maintenant il est temps de passer à l'apéro. Oui, c'est moche nul. C'est pas mal. C'est pas mal nul, quoi. Non, mais là, bon. Pascal, souris. Pascal, tu es en train de noter les mailles de tes truites. Ouais. Faut pas de ma gueule, toi, parce que tu vaux pas mieux. De quoi? Mais moi, j'ai eu le plaisir d'en tenir une quand même. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai eu deux touches quand même. Ah ouais. Bon. Mais pas en extérieur. Bon, malgré que t'es pas de truites, content d'être là, avec les tarés du type passion de truites et verre. Non, super. Ouais, ça va. Franchement, nickel. Alors là, je vais vous montrer un chevelu. Il a fait des rastas. Ils sont tombés, les rastas. Ils sont tombés à l'eau. Les truites se sont accrochées à moi, elles m'ont tout arraché. Putain de truites, quoi. Des truites comme ça, quoi. En fait, Jean-Luc, ce qu'il veut, c'est garder son. L'après-midi, nous partons plein d'espoir à la découverte du Cézon que nous ne connaissons pas. Cette magnifique rivière des Pyrénées-Atlantiques. Mais nous allons vite déchanter. Car au bout de notre ligne, uniquement des arcs. Pendant ce temps, sur le verre, l'autre équipe, et notamment Petit Papa fera deux truitelles qu'il s'empressera de remettre à l'eau. Rien d'exceptionnel. On a transatlantic plane.
Tu vas pas la faire venir par ici donc. Elle est grosse, hein. Elle est balèze, hein. Il y a de l'eau, hein? Non, mais laisse, laisse. Elle va se fatiguer, hein? Ah, pété. Pété. En tout cas, regarde, regarde, regarde le cinéma, elle tire. Elle va au plus, mais je filme. Ah, je crois que c'est une blague. Ça, c'est du travail d'équipe, ça. Elle disait. Le lendemain avec la pluie sur le cave d'Aspe. Tu l'as vu? Rouvre ton prix. Enculé! Tu prends ton pied, poulet! Enculé, on prend du fil, quoi! La salope! La salope! Allez! Qu'est-ce qu'elle a au bout de la gueule, hein? Vas-y. Acculé.
tête de la pute, elle est pas belle. Finissons notre matinée et notre ouverture sur le gave du Lourdios, sans plus de réussite. Quelques tocs pour José, mais rien d'exceptionnel. Ainsi s'achève notre ouverture, petite ouverture, car à part des arcs-en-ciel, nous n'avons rien touché d'autre, du moins mis au sec. Mais le principal n'est pas là, c'est que nous avons passé un excellent week-end entre potes du team Passion Truite et Mer et amis du team, comme notre ami Jean-Luc dit 46 et Pascal, que nous avons gentiment surnommé 37-2 le matin. Allez, la saison ne fait que commencer. Nous gardons espoir qu'elle soit belle et qu'elle nous apporte tout le bonheur que la belle mouchetée est capable de nous donner.